شوفني كيف تقلقة علي القهوة بسم الله. يا الإخوة أكملنا العدة وكبرنا الله وبقي علينا شكر الله عز وجل. Voilà mes chers frères et sœurs, nous avons fini le jour défini par Allah عز وجل. Nous avons fait des louanges, nous avons glorifié Allah عز وجل. Ce qui nous manque, c'est remercier Allah عز وجل. فعلا أيها الإخوة ما أسرع تلك الأيام لقد انقضت ورحلت عنا. Vraiment mes chers frères et sœurs, les jours du mois de Ramadan sont passés vite. On ne s'est même pas rendu compte. Avant on disait, c'est bientôt le mois de Ramadan. On pensait, mais tout d'un coup, le mois de Ramadan est parti. Wallahi ya ikhwa, ma hiya illa ayyam, Allah azza wa jal yaqul fi al-Qur'an al-Karim ayyaman ma'dudat, ma annaha ayyam 29 yawm aw 30 yawm, walakin hada jam'u qilla kama yaqul al-ulama wa hiya ayyamun ma'dudat. Ce sont des jours définis et ce sont des jours connus. Alors, peu, au niveau de nombre, c'est peu, c'est 29 jours. Mais vivre ces jours-là, dans la joie, dans la spiritualité, dans la foi, on ne se rend même pas compte, mes chers frères et sœurs. Ayo l'ikhwa, les sa'imi farhatan, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Fahaqad farihna bi fitrina hada al-yawm. Fanasallah azza wa jalla an yarzuqana al-farhat al-kubra inda liqa'i. Le jour de... Le jeûneur, il a deux joies. La joie quand il rompt son jeûne. La joie d'aujourd'hui. Mais la grande joie, c'est quand il rencontrera Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on est content. On est heureux. C'est pas parce qu'on s'est débarrassé du mois de Ramadan. Hacha. Mais parce qu'on a accompli notre devoir. Parce que nous avons fait le nécessaire. Parce que nous avons jeûné. Parce que nous avons fait la prière. Mais ce que nous recherchons, ce que nous demandons, et ce que nous attendons, vous savez qu'Allah, le jour de grand prix, ce jour-là, il va dire, oh malaïka, je vous prends comme témoin, ushidukum, anni qad ghafartu li ibadi, samouli, waqamouli, ushar, star, aradu, ridai, faraditu anhum. Amen, yakoulu l'ulama, yamurru fi ghayri ma'siyatillahi fa huwa id. Chaque jour qu'on le passe, sans la désobéissance, sans aucun péché, c'est un id. C'est un jour de fête pour nous. Wa hada qawlu al-ulama. Fa'ayaduna ayyuha al-ikhwa walhamdulillah. A'yaduna ibada. Nos fêtes, ce sont des actes d'adoration. A'yaduna takbir. A'yaduna salat. A'yaduna sadaqa. Nos fêtes, ce sont des fêtes de l'adoration. Des fêtes de la générosité. Comme c'est le cas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses compagnons et avec les femmes surtout. Al-Eid ayyuha al-ikhwa. Laysa qat'an lil-alaqati ma'a Allah. L'Eid, le jour de l'Eid. Ce n'est pas une occasion de rompre le contact et le rapport avec Allah Azza wa Jal. Ramadan intaha. Faman kana ya'bud Ramadan, fa Ramadan qada wa fat. Wa man kana ya'bud Allah Azza wa Jal, fa Allah Azza wa Jal hayyun la yamut. Celui qui adorait le mois de Ramadan est fini. Mais celui qui adorait Allah Azza wa Jal, qui adore tout le temps Allah, Allah il est encore omniprésent, Allah il est vivant. Ayyuha al-ikhwa, la tansou aqaribakum. أيها الإخوة، أنسوا الأحقاد، أنسوا الضغائن، أنسوا الشحناء، أنسوا العداوة، أنسوا كل هذه الأشياء. Mes chers frères et sœurs, le jour de l'Eid, ça doit nous rappeler nos devoirs vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos proches. Oubliez, mes chers frères et sœurs, la haine, oubliez la jalousie. Aujourd'hui, cessez la jalousie, cessez de dire stop à la jalousie, dire stop au mépris. هذا اليوم أيها الإخوة هو يوم صلة الأرحام.
هو يوم التصاور، هو يوم إعادة العلاقات الاجتماعية فيما بيننا، فرصة للتصالح، فرصة للعودة إلى الله، لأن أعيادنا لها بعدان، بعد إيماني وبعد إنساني. العيد سي لوكازيون دو غونوي لو رابور سوسيال، دو فورتيفيي نو رابور سوسيو، نو رابور فاميليو. سي لا رونوفلمون دامباكت اي دونجاجمون، سي ريكونسيلياسيون افيك سوا ميم اي افيك نو بروش، افيك الله عز وجل. باسكو لي فيت دو العيد ils ont deux aspects. Les fêtes de l'Eid, elles ont deux aspects. Un aspect de la foi, de la spiritualité. On a fait le takbir, on a fait la salat, mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect humain. Ayyuha l'ikhwa, al-Eid huwa tajdidun li tilka al-rabita al-akhawiyya al-ijtima'iyya. Ala aqwa ma takunu min al-hubbi, wa min al-wafa'i, wa min al-ikha'i, wa min al-iltizam. Wa huwa tadkirun li muslimin bihaq al-di'af, bihaq al-ajaza, bihaq al-aytam. Fa'ala budda an ta'umma. السعادة كل أسرتنا أيها الإخوة. Le jour de l'Eid, c'est une occasion pour se rappeler de nécessiteux, pour repenser et penser sérieusement aux nécessiteux. Pensez à apporter le bonheur, pas spécialement dans votre entourage familial, mais plutôt apporter le bonheur partout, dans chaque foyer. Pensez à ces orphelins, pensez à ces veuves, pensez à ceux qui vont rentrer, ils ne trouveront pas leur papa avec eux. On peut rentrer là tout de suite, on va embrasser nos enfants. Mais il y a des gens, ils n'ont pas ce bienfait, cette occasion d'embrasser leurs enfants, de prendre sa femme. Alors qu'il y a des gens, ils ne sont pas mariés ou il a perdu sa femme. Ou des sœurs, elles vont rentrer, mais elles ne trouveront pas leur mari. Pensez à mes sœurs, les sœurs qui vont rentrer en retrouvant leur mari, pensez à ces sœurs-là. Peut-être elles sont divorcées, peut-être elles sont veuves, peut-être elles sont célibataires. Pensez à tout le monde. Pensez que, essayez de faire en sorte que la joie rentre dans chaque foyer. Essayez. Ayyuha l'ikhwa, la budda an nas'a an-nas bil khayr, an nas'ahum bil mal. Fa in lam nastati' an nas'ahum bil mal, fa 'ala al-aqal an nas'ahum bil kalimati at-tayyiba, bil ibtisamati al-haniyati al-hamiya al-harra. Si on n'arrive pas à apporter la joie par le biais, par le moyen financier, on peut apporter la joie par le sourire, par la belle parole. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الصدقات أيها الأخوة أبوابها مفتوحة. Les aumônes, les portes des aumônes, celui qui n'a pas les moyens, Allah غالب. Mais on peut faire quelque chose. On peut partager le sourire. On peut juste avec la belle parole donner un conseil, dire une belle parole. Une belle parole à quelqu'un, barakallahu fi, pour ce que tu fais, tu le remercies. Remercie ta femme, remercie tes enfants, remercie tes parents. Les belles propager la belle parole, c'est le jour pour propager la belle parole. Barakallahu fikum. Ya ibadallah, ramadanun, kama yaqulu al-ulama, souqun. Souqun, qamatun man fadda, farabiha man rabih, wa khasira man khasir. Le mois de ramadan, ce qu'ils disent les savants, c'est comme un marché. On a des balais, on emballe. Celui qui a gagné, il a gagné, il a eu sa recette. Et il y a celui qui va rentrer sans recette. C'est comme un marché. C'est comme un marché opérationnel. C'est une opération avec Allah Azza wa Jal. Tadakkar ayyuha al-akh, ayyatuha al-ukht. Anna Allah Azza wa Jal fi al-Quran al-Karim wa yatahaddath 'ala ayati as-siyam, madha qala? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé des jours, des mois, quand il a parlé de jeûne du mois de Ramadan, il a parlé d'une vérité. Quand il a parlé, Allah Azza wa Jal, il a dit pour les femmes et pour les hommes, elles sont un vêtement pour vous et vous, vous êtes un vêtement pour elles. Dawru al-libas an yaqil jism min al-harara, min al-buruda, al-iffa. Hada dawru al-libas. Le vêtement, il a un rôle. Les habits, ils ont un rôle. Ils ont un rôle de protection contre la chaleur, contre le froid, de la pudeur et ainsi de suite. Est-ce qu'on est protecteur de nos femmes? Est-ce que nos femmes, elles sont nos protectrices? Ayez cette idée qu'il faut semer l'amour et l'affection au sein de nos couples. Les couples souffrent aujourd'hui, malheureusement. Mais je ne parle pas que de la communauté musulmane. Donc là, il faut faire un effort. Le jour de l'Eid, c'est une occasion. C'est pour revoir nos rapports familiaux au niveau de la vie conjugale. أصلحوا استلحوا أيها الإخوة مع أزواجكم ومع أيها الأخوات مع أزواجكم استلحوا أيها الإخوة مع زوجاتكم. العيد فرصتنا لإصلاح العلاقات العائلية. وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. وعلى المرأة أن تعاشر زوجها كذلك بالمعروف، أن تكون أمينة له في بيته. أيها الإخوة، فرصتنا في العيد أن نكون صادقين مع الله عز وجل. Il faut être sincère et véridique avec Allah عز وجل. الله أكبر. Oh.
الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، حقيقة العيد هو أيام وأيام فرحة. Ce sont des jours de la joie, de la réjouissance, du bonheur. Mais en même temps, العيد c'est un moment de rappel. العيد فرصة كذلك لنتذكر، لنتذكر المحرومين في هذا اليوم. نتذكر إخوانا لنا يعذبون، يقتلون، يشردون، يذبحون، ييتمون، أمهات ترمل، بيوت تدمر، دماء تسال وتراق. في العيد il faut penser à ceux qui souffrent. En ce moment, le peuple palestinien souffre. Il y a du sang partout. On détruit leurs maisons sur leurs têtes. Ils ne sont pas tranquilles. Al-Eid, il faut penser. C'est vrai, c'est le jour de la joie, mais en même temps, il faut penser. Avec tous nos cœurs, il faut réagir positivement et intelligemment. Il faut penser à ces orphelins, penser à ces femmes qui ont perdu leur mari. Nous, peut-être là, on essaie de trouver la joie entre nous. On va se rendre visite. Mais ces gens-là, ils vont se rendre visite comment? Ils vont partir comment? Ils vont se croiser comment? Ils vont chercher dans les encombrements les corps, les cadavres et les corps de leurs martyrs. Pensez, Inch'Allah, à faire quelque chose, à faire des gestes positivement parlant, Inch'Allah Ta'ala. ولهذا العيد ليس فقط فرصة لمجلس عزاء كما يقول العلماء. C'est pas une assemblée de condoléances. L'Aïd aussi. Le prophète صلى الله عليه وسلم, avec toute la misère qu'il y a eu, quand il est arrivé à Médine, il a demandé aux Sahaba de manifester la joie. Avec toutes les misères, avec toute la crise qu'il y a, on doit manifester la joie. La joie, c'est parce qu'on a accompli notre devoir. Donc là, mes chers frères et sœurs, pensez à rester tout le temps avec Allah Azza wa Jal. Ne coupez pas le lien avec Allah. La taqta'u 'alaqatakum ma Allah Azza wa Jal. Stamirru 'ala 'ibadatikum. Stamirru 'ala qira'atikum lil Qur'an. Stamirru 'ala da'watikum bi idnillah. Continuez sur vos efforts, barakallahu fikum. Continuez après le mois de Ramadan. Shahru Ramadan, shahru al-musalaha, shahru al-ihsan, shahru al-rifqi, shahru al-rifqi ba'dina bi ba'd. Falnatahab ayyuha al-ikhwa. Falnatahab wa natasafa. ونتصافى في قلوبنا فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة في هذا اليوم المبارك نسأل الله عز وجل الذي له الحمد كله نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا قراءتنا للقرآن نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا نسأل الله عز وجل أن يرحمنا بالمرحوم فينا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا أن يرحم آباءنا وأمهاتنا أن يرحم مشايخنا وعلماءنا وأن يرحم شهداءنا اللهم ارحمهم اللهم كل إخواننا في فلسطين معينا وظهيرا ووليا ونصيرا اللهم ارحم شهداءهم اللهم داوي جرحاهم اللهم يا رب كلهم معينا وظهيرا ووليا ونصيرا اللهم بارك في كل الإخوة الذين أنفقوا اللهم بارك في كل الإخوة الذين سهروا على أن يمر هذا الصيام وهذا القيام في هذا المكان على أحسن حال اللهم بارك لهم في أموالهم اللهم بارك لهم في أولادهم اللهم بارك لهم في أهليهم اللهم بارك لهم في آبائهم اللهم يا رب تب علينا وتجاوز عنا تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك سعيد تعانقوا تصافحوا وخمك تعفوش تعانقوا سلم عليه قولوا تقبل ديروا السنة النبي صلى الله عليه وسلم الله يرحمكم والله يتقبل ونطلب منكم السماح إذا فرطنا في حقكم on s'excuse si on était On était méchants un petit peu, peut-être avec certains frères, mais on s'excuse, on se pardonne. Allah yihfadkum, propagez le pardon, la tolérance, la clémence d'Allah Azza wa Jal. Wa aidukum mubarakun sa'id, wa taqabbal Allahu minna wa minkum. Allah